Bonjour à tous déjà. Donc, je vais commencer par une petite introduction sur qu'est-ce que la domotique et ses implications dans la sécurité. Ensuite, on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire sur un système domotique et essayer d'en foutre un truc qui est relativement connu, ou en tout cas qui est montant dans tout ce qui est open source. Et on va essayer de parler ensuite de tout ce qui est des autres solutions, c'est-à-dire un peu moins open source et plus cloud basé. Donc déjà, qu'est-ce que la domotique ? Donc, la domotique, c'est plus un ensemble de technologies en fait, qui permet d'automatiser une maison, par exemple, ou un bâtiment plus généralement. Ça peut être par le biais du power saving management, donc de la gestion d'énergie, ça peut être la sécurité des biens et des personnes, ça peut être le confort, bref, tout un tas de choses intéressantes qu'on peut faire. Donc, moi, quand j'ai vu ça, perso, je me suis dit, je le veux chez moi. Ça peut être vraiment cool. Donc, j'ai fait un petit peu cette tête-là, grosso modo. Et du coup, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait. Donc, j'ai essayé de diviser un peu en deux catégories. Donc, les solutions un peu propriétaires, les solutions un peu open source. Le problème, c'est que j'avais quand même certaines contraintes. C'est vrai que je voulais quelque chose qui ne soit pas non plus excessivement cher. Je voulais quand même pouvoir modifier un petit peu la solution. Donc déjà, les solutions propriétaires, donc il y avait IDOMUS, qui est une solution française, qui n'est pas trop mal au niveau ergonomie, au niveau interface, elle semble assez configurable, donc il y a une communauté derrière. Ensuite, on a Mayfox, qui est plus basé sur tout ce qui est sécurité, et Fibaro et Maivera, qui sont deux solutions un petit peu similaires, notamment Maivera qui m'a intéressé dans le sens où les données ne sont pas dans le cloud, sur la Maivera Lite en tout cas. Ensuite, j'ai regardé un petit peu les solutions open source. Là, il y avait Sahara qui se démarquait un peu, mais je présenterai plus en détail après Sahara et les autres solutions open source. Mais grosso modo, il y avait Sahara, Domotics, Yana Server et Z-Home. Personnellement, là, on est parti sur du Domotics, qui est montant et qui est pas mal connu. On voit de plus en plus d'articles dessus. Là, quand j'ai vu tout ce que je pouvais faire avec l'ensemble des solutions, je me suis dit, waouh, j'ai besoin de ça, je le veux. Je peux contrôler plein de choses avec, en fait. Je peux contrôler par exemple tout ce qui est serrure. Donc, je peux contrôler ma maison, je peux contrôler le chauffage, avec le Quantified Safe qui est montant également, je peux contrôler.